C'est au Koukoué, la deuxième édition de cette fête identitaire s'annonce à grands pas. Elle se déroulera du 22 au 26 février 2023 derrière le nouveau marché de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. A cet effet, le tissu de l'unité des fils et filles 7 ans d'Odomola est disponible sur le marché au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout autre renseignement, veuillez contacter le 97 22 20 14 ou encore le 64 20 10 63. C'est en Koukoué édition 2023 pour la révélation de la culture 7 ans. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonjour. Lundi 6 février 2023, matin lire au sort avec manchette, composition du bureau de l'Assemblée nationale vers la bataille de la minorité. Quelle sera la composition du bureau de l'Assemblée nationale, 9e législature? Si pour le choix du président, le chef de l'État, fort de sa majorité, peut donner des orientations ou imposer quelqu'un, pour le choix des autres membres du bureau, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en son article 15.2-B, stipule l'élection des deux vice-présidents, des deux questeurs et des deux secrétaires parlementaires a lieu en s'efforçant autant que possible de reproduire au sein du bureau la configuration politique de l'Assemblée nationale. Auparavant, l'interprétation de cet article se faisait par rapport à majorité et minorité, ce qui équivaut à mouvance opposition. Mais en 2019, la donne a changé. L'absence de l'opposition législative a fait que les deux parties de la mouvance ont estimé que la répartition doit se faire en tenant compte de la majorité et de la minorité. Dès lors, l'Union progressiste qui a le plus de députés est la majorité et le Bloc républicain la minorité. C'est ainsi que des députés BR sont entrés dans le bureau. Pour eux, la configuration politique du Parlement était ainsi respectée. 2023, le retour de l'opposition risque de changer à nouveau la donne. Le Parti Les Démocrates va certainement vouloir qu'il soit tenu compte de l'ancienne interprétation « mouvance opposition ». Dans ce cas, l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain, parti de la mouvance au pouvoir, vont devoir concéder une ou deux places à l'opposition dans le bureau afin que la configuration politique de l'Assemblée soit perceptible dans la configuration du bureau telle que voulue par la loi. Mais attention, le BR, pour avoir plus de membres dans le bureau et essayer d'empêcher le parti d'opposition d'en avoir, peut se réclamer de la minorité comme en 2019. Dans ce cas, il risque, avec le soutien des députés UPR, de s'accaparer des postes qui devraient revenir à la minorité opposition. Ceci au détriment de la considération mouvance opposition. Seulement, la configuration politique de l'Assemblée nationale serait-elle respectée dans ce cas? La loi n'étant pas très explicite sur la question, chaque parti va certainement user d'arguments pour faire l'interprétation qui l'arrange. C'est la bataille en perspective entre le Bloc républicain et les démocrates qui ont chacun 8 députés. Autre titre, 2 ans après la tentative d'assassinat, Gani Ousoglo rend grâce à Dieu. 5 février 2021, 5 février 2023, il y a cela 2 ans, Gali Ousoglo a été victime d'un braquage qui a failli le priver du souffle de vie. Après 2 ans, aucune suite de l'enquête n'a été donnée concernant les responsables de ce braquage. La question reste toujours posée, à savoir qu'il s'agissait d'un simple braquage ou d'une tentative d'assassinat. Victime qu'il est, il reconnaît devoir son souffle de vie à Dieu Tout-Puissant, à ses parents et à ses proches. Il a donc choisi ce dimanche pour dire merci à tous. C'était à l'occasion d'une messe d'action de grâce qui a eu lieu à Kadjaoun, à la maison des prêtres, au Champ d'Oiseaux. Série d'accidents meurtriers sur les routes au Bénin. La PNE compatit et propose. L'Alliance patriotique Nouvel Espoir, la PNE, que préside l'ancien ministre Rogatien Biaou, s'est prononcé sur la série d'accidents ces derniers jours sur les routes du Bénin. Dans sa déclaration rendue publique, principalement sur le drame de Dassazoumen, la PNE exprime sa compassion au peuple béninois et fait des propositions. La déclaration est à lire à la page 3 de votre quotidien. Info du desk sport à présent. En marge de la Coupe du Monde des clubs Maroc 2023, les journalistes sur la tombe du fondateur de la confrérie Tidjania. C'était dimanche 5 février 2023. Moment d'émotion et de recueillement, la visite de la tombe du fondateur de la confrérie Tidjania, Cheikh Sidi Ahmed Tidjani, a permis aux visiteurs de découvrir la Zouïa,
Tigania de Fès, un lieu rempli de paix et d'histoire, un lieu incontournable situé dans la vieille Médina de la capitale spirituelle du royaume. Ce fut l'occasion pour l'imam des lieux de passer en revue le riche passé historique de ce grand saint. Nous restons toujours au Desk Sport, édition 2023 de Move Africa Cup. Fournisse championne, une initiative bien accueillie. La grande finale de l'édition 2023 de Move Africa Cup a rendu son verdict samedi 4 février 2023 au terme d'une rencontre âprement disputée entre Fonis et Fox sur le terrain synthétique de Figrosset derrière l'aéroport de Cotonou. Et le sacre revient à la formation de Fonis qui a retrouvé la ressource nécessaire pour s'adjuger le trophée 2-1. Une initiative de Move Africa très appréciée par l'ensemble des équipes participantes. Pour finir à présent et toujours dans l'actualité sportive, Coupe du Monde des clubs de football. Wydad, un public extraordinaire. Dans le cadre de la Coupe du Monde des clubs de football, l'équipe de Wydad Athletic Club a courbé les chines au tir au but après le score de parité au terme du temps réglementaire et la prolongation face à Al Hilal. Ceci au bout d'un match rythmé et haché avec 9 cartons jaunes et 2 rouges. Mais au-delà de l'élimination du club marocain, le public a été présent et a poussé son équipe du début jusqu'à la fin. Un public extraordinaire, magnifique, qui a véritablement joué son rôle de 12e joueur. Le stade rempli aux couleurs de Wydad montre la communion qui existe entre eux. Le public marocain en général et celui de ce club en particulier aura montré une autre façon de supporter au monde entier. Un véritable exemple dont il faut s'inspirer. Fidèle internaute de Guérite TV Monde et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du lundi 6 février 2023, vous êtes ainsi livré. À demain.